Au moins 59 morts et autant de blessés dans l'explosion d'un stock de dynamite au Burkina Faso. Lundi après-midi, sur le site artisanal d'extraction d'or de Gongombiro, une explosion occasionnée par un incendie sur une zone d'entreposage de bâtons de dynamite de contrebande laisse un lourd bilan humain ainsi que des dégâts matériels. Les corps étaient éparpillés. Bon, donc avec la sécurité, venu en renfort, puisqu'il y a le 22e RIC même qui est venu en renfort. Voilà, il fallait sécuriser d'abord le site. Le procureur du Burkina Faso s'est également rendu sur les lieux pour des constatations d'usage en déclarant qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les circonstances de l'explosion. Les équipes sont à pied d'œuvre pour vraiment faire la situation. Il y en a qu'on a commencé à prendre au bloc. Et ce qu'on peut, pour faire les parages, pour vraiment la situation, pour stabiliser, ce qu'on peut stabiliser d'abord. Malgré l'interdiction de l'orpaillage qui provoque régulièrement des éboulements meurtriers, les autorités peinent à en contrôler l'exploitation sauvage. Elle est exercée par 1,2 million de personnes.